Donc, je remercie infiniment Madame Sakrani pour son propos introductif, où l'approche de l'altérité en islam classique est vue à la fois dans la dimension d'un axe vertical et horizontal. Vertical, donc, c'est l'autre comme tout autre, Allah, et puis aussi en négatif avec Iblis. Et puis dans cette troisième partie qui abordait l'autre, la question de l'altérité dans cet islam classique, plus dans sa dimension horizontale, avec les deux altérités dedans et dehors, hein, ou ce que vous avez appelé l'altérité ambiguë, et puis vous l'avez décliné à travers quatre figures finalement, la femme, le castré, l'esclave, et puis vous finissiez avec le dhimmi. Je vais immédiatement donner la parole à nos trois membres du bureau pluriel qui ont eu accès donc à votre conférence et qui vont faire une réponse, une relecture à partir des trois axes abordés au cours de notre colloque. Donc la première personne, c'est Michaela Neulinger. Donc bonjour Michaela. Alors Michaela, vous êtes théologienne, vous avez suivi des études islamiques à l'université de Birmingham, vous êtes actuellement assistante universitaire à l'Institut de théologie systématique de la faculté de théologie catholique d'Innsbruck, et vous allez nous proposer donc une relecture de l'intervention de la conférence de Raja Sakrani, essentiellement à travers le regard plus géopolitique. Michaela, la parole est à vous. Merci beaucoup Emmanuel. So I hope you can hear and see me. Both at the same time, great. So, as Emmanuel said, I'm a theologian and Islamic studies scholar with a focus on the theopolitical, and thus I will give some remarks and point out some highlights that were important for me from a theopolitical and geopolitical perspective. What is most striking for me is this very creative entanglement of psychoanalysis, so le soi, le moi, l'individualisation et l'identification, the integration of the other on an individual and on a social level, and how you brought together philosophy of law, psychoanalysis, theology, and the ambiguity of Islam throughout history. It very much reminded me of Shahab Ahmad and his book on the importance of being Islamic, and how he points out Islam as meaning making for the self. And you've shown to us that the history of the self is very complex, entangled, difficult to grasp, and intermingled, always intermingled with processes of interaction with another. And this other can be very different things and instances. So there are many others we relate to, we distance ourselves from, and we imitate both on an individual and on a social level. And very crucial for me was the problem of binarity you pointed to. So the relation between the me and the other and the we and the others. And sometimes there is no me at all left because there is just the community, the social level left. So I observed two binarities, the binarity of thought and the binarity of constructing ourselves. And these internal and external binarities are entangled and especially visible in these four forms of women, the castrated, the slaves and the dhimmis. And it was very striking for me how these different binarities are used according to you. So especially for protecting the community, protecting the religion, so a social function of rising frontiers. And my reflection at the end was somehow, what is the ideal following these binaries? Is it, so very frankly speaking now, is it the potent male free Muslim? So when I bring together all the four forms of the other, then there rests this idea of potent male free Muslim in a way. And now I would like to give three points and two questions. So my first point is, what is Islam and its other? There is a book by Luca Mavelli called Europe and its Other. And Talal Asad, whom I studied very much once, or
quite regularly says now, Europe was created against Islam, and that Islam is the other against which Europe is created. I mean, I would be very careful with two strong oppositions, but the drama of binary thinking is very present throughout history, and especially during the Crusades, the Ottoman Wars, and now again. And sometimes I have the impression that there's a return of strong binarities on all levels, a polarization, not only in Europe, but on a global level. Thus, your analysis of binarities could be very helpful for really understanding processes going on a global level, not just within the Islamic culture. A point connected to this reflection, Islam and its other, is can the awareness of a transcendent other, and that's something you very much pointed to with Ibn Rushd and especially with Ibn Arabi, can the awareness of a transcendent other help us to be more ready to deal positively with plurality, conflictivity, and alterity, also in the political sphere? I mean, this is a thesis Luca Mavelli makes, so having the idea of a transcendent other within the political sphere could help us to deal more positively with otherness. I'm not so sure about it, and Tobias Specker will go into more detail on this issue from a theological perspective then. My second point is the tension between community and individual. So there is a permanent tension between community and individual throughout the history of political thought, and this is particularly difficult for religiously affiliated political thought. How can we bring together being an individual, so meaning making for the self, within a community? So we are not just individual beings, we are speaking with Aristotle, we are social beings as well, but how can we negotiate these two existences in a way? And Sufism and mysticism seems to be a very promising way. But how can we deal with this negotiation in societies that are getting more and more secular? How can we make an offer to people living in secular societies who probably do not have this access to mysticism, to spirituality as a way of dealing with alterity? And the third point, sex and the sacred. That's something that regularly popped up during your talk. And from my point of view, sex and the sacred is the theological hotspot in geopolitics today. It especially when you were talking about the huwa, so the female other, while only the male is directly related in a way to the divine, the use of the female to mark the frontiers of religion, of community, and the sacred. And especially when you describe the relation between harem, and hurma, that was very, very eye-opening for me. You also pointed to the appreciation and depreciation of the female and the use of the female for the purposes of the community. And that's something that does not only happen in the religious discourse, but also in secular political discourses on a regular basis, especially nowadays. So I would go as far as to say that sex and the sacred are the identity markers in contemporary discourses of identity making, and especially when it comes to the role of religion in these processes of public identity making and in political discourses on a global level. I just remind you, probably some of you heard about it, it's the so-called Burke Foundation, active on a global level, especially between Europe and the United States, that provoke a new paternal authority, a new return to the true family and the true heterosexual relationship between men and women, and there cannot be any other. So also very much connected to a very traditional concept of religious thought. And another point where this focus on sex and the sacred is very visible are the discussions about the so-called Istanbul Convention. The Istanbul Convention, which from an extremely conservative and religious point of view,
and dangers the so-called traditional family, the binarity of men and women, identified as Muslim or Christian values. It was just Turkey that renounced its commitment to the Istanbul Convention, but it's Poland, Hungary, Slovakia that are going the same direction at this time. So sex and the sacred really in the focus of the geopolitical dynamics apart from Corona these days. And two final questions to Alessandro then, who will focus on citizenship and a legal re-lecture of Raja's paper. If we talk about hospitality for the other, I wonder if about the connection between hospitality and citizenship. From my point of view, citizenship is far more than hospitality. But on the other hand, hospitality has become a very important topos in political thought today. So interesting. And the ambiguity of law, what Murata, you pointed out, one more sentence and then finished. You pointed out that actually there are very few rules in classical Islamic law, binding rules, how to deal with the dhimmi, and that the concrete practice is dependent on the qadi. But what does this mean for us today? And what does it mean for the rule of law, which is a very important concept in contemporary lawmaking and in contemporary liberal democracies? So merci, that's it. Merci beaucoup, Michaela, donc, pour la richesse des questions en fait, que la parole de Raja a suscité. Je donne la parole de suite à Tobias Specker. Le père Tobias Specker est jésuite. Il a étudié la littérature allemande et la théologie catholique, notamment à Fribourg, Bochum et Francfort. Il a fait une thèse de doctorat sur la pensée de Jean-Luc Marion. Il est actuellement professeur en théologie catholique à la lumière de l'islam à l'École supérieure de philosophie et de théologie de Sankt-Georgen à Francfort. Votre relecture, Tobias, s'inscrit dans l'axe dialogal. La parole est à vous, s'il vous plaît, Tobias. Thank you very much, Emmanuel. Thank you, Raja Sakrani, for this interesting lecture. So in response to Raja Sakrani's very stimulating lecture, I would like to focus on just one systematic question, as Michaela already announced. I quote Raja, en islam, non seulement l'autre est un visage et son visage est sacré, mais Dieu est l'autre absolu par excellence. This statement inspires me to ask, is the alterity of God, the emphasis on his otherness, the basis for a dialogical and non-exclusive relationship of religions or not? My answer is very simple. First, yes. Second, no. Third, it depends. First, yes, emphasizing the transcendence of God can support a dialogical relationship. So this possibility is already found in Raja Sakrani's reference to Ibn Arabi when she formulates, pour ce qui est de l'autre religieux, Ibn Arabi fait la distinction entre le Dieu absolu et le Dieu des croyances. La différence des religions est donc nécessaire parce que la vérité se manifeste dans de nombreuses images et formes de croyances. So this distinction between the absolute God and the God of the believers makes it possible to appreciate the plurality of religions. A Christian example is given by the church historian Arnold Angenent, and he has shown that the parable of the tares, so the mauvaise herbe, the weed, and the wheat, so the grain, le blé, has been an important point of reference throughout church history to renounce violence in religious matters and to demand for tolerance towards non-believers and those of other faiths, and to legitimize it religiously and biblically. So in this parable, the servants are restrained from pulling up the weeds, so the mauvaise herbe, that an enemy has sown among the wheat during the night. And the argument is, I quote, no, you might also pull up the wheat, leave the weeds alone until harvest time. So this is an
eschatological motivation, but it clearly refers to the transcendence and alterity of God. So Cyprian of Carthage, I quote, formulates it very clearly: "What proud presumption, what disregard for all humility and gentleness is involved in someone daring or believing he can do what the Lord did not even allow the apostles to do, and imagining that he can separate the weeds from the grain." So, clear reference to transcendence. So only God is allowed to make this distinction. So God's alterity is the basis of tolerance. First point. Second, I shorten, the alterity of God can also lead to a decidedly exclusive and militant understanding of religion. I just refer in a sentence to Said Qutb. So to take just one example, who is clearly in favor of transcendence and alterity of God, but translated immediately first in the incomparable nature of Quran, and then in the distinctly other nature of Islamic society, and introduces so, by respect of the alterity of God, a clear social distinction between Islamic society and Jahiliya. So the problem clearly lies in the fact that the alterity of God is directly represented in a part of an immanent and human reality. Thus, the alterity of God leads to multiple forms of othering, where Raja Sakrani was speaking of. Third and last point, it depends. In conclusion, and I didn't know the moderation of the words of Emmanuel, but they clearly take his point. I want to propose and distinguish three forms of alterity, three different forms. First, the alterity of comparative enhancement or superlative fulfillment. So in this point, the alterity of God is reflected in an imminent enhancement of worldly attributes. God is the most powerful, God is the highest, God is the strongest and the greatest. And this translation of God's transcendence in an immanent enhancement leads, not necessarily, but possibly, to an analogous determination of the relations between religions. The religions are related, but on the basis on one religion surpassing the other, outmatching the other religion. Fulfillment or enhancement. Second, the alterity of separation, clearly Said Qutb's, but also like a neo-scholastic idea of the church as the societas perfecta. The alterity of God is reflected in the separation and sacralization of an immanent realm, which is declared to be incomparable with all other immanent realms. Also, this is not necessarily in a religious way. It can be reflected in the relation of the religions, and then they stay disconnected in a best, in a coexistence, and in the worst, in a total discrediting of the others who are not religions anymore. Third, the alterity of relationship or relational alterity. God is seen precisely in his difference in relation to the world. Raja Sakrani says, "Ces développements permettent à Ibn Arabi de lier et de séparer en même temps le créateur et ses créatures." And she speaks of an altérité ouverte. That's exactly what I mean with relational alterity. And I think that is the only way of thinking the alterity of God in a way where it can really support plural and positive relation of the religions. I stop at this point to give Alessandro the floor. Merci beaucoup, Thomas, pour effectivement resituer ces questions théologiques sur aussi comment peut-on connaître Dieu et peut-on connaître quelque chose de Dieu et l'analogie éventuelle entre Dieu et sa créature et donc l'homme. Alessandro Ferrari, vous êtes juriste.
professeur associé de droit ecclésiastique et de droit canonique à la faculté de droit de l'université d'Insoubrie. Vos recherches portent essentiellement sur la citoyenneté et l'islam en Europe. Vous avez travaillé aussi sur la question du séparatisme en France. Et donc, vous allez nous proposer une relecture plus à partir de l'axe de la citoyenneté. Merci, Emmanuel. Merci à Raja Sakrani pour les textes si, si riches et intéressants. Et pour un juriste, c'est très important ces textes dans le sens que il pose une question fondamentale pour tout discours sur la citoyenneté, que c'est la difficulté à gérer l'altérité. Or, dans les textes sur ces questions, la gestion de l'altérité, il y a des mots implicites et parfois explicites, mais qui sont importants à rappeler. La question de l'unité, de la cohésion de la communauté face à une altérité, et la question du critère ordonnateur qui établit le degré de l'altérité possible et qui mobilise les apparats discursifs pour son interprétation. On l'a vu dans les concepts d'Ouaoua, selon qui interprète les mêmes critères hiérarchiques ordonnateurs, il va émerger une relation différente avec l'altérité. Alors, à partir de ces concepts, de la question de la gestion de l'altérité dans la citoyenneté, le texte m'a poussé un peu à une essai de comparaison entre ce qui se passe dans les terres d'islam, comme a été appelé, et ce qui se passe ou qui s'est passé en Europe face à l'altérité, à la construction du modèle citoyen. Parce qu'on sait bien que les critères ordonnateurs, à niveau classique, on dit, sont différents. On a d'un côté les États législateurs qui légifèrent sur les individus et de l'autre côté les modèles d'un Dieu législateur qui légifère sur les communautés. Mais tous les deux modèles se confrontent quand même avec les rêves de l'unité, de la cohésion, mais ils doivent aussi faire le deuil de la cohésion inachevable et de l'altérité qui n'est pas gouvernable, face à laquelle tous les deux systèmes doivent trouver des réponses. Et je pense que dans les textes, on voit deux possibles réponses. Il y a une réponse qui est caractérisée par la considération de l'altérité non codifiée comme une perte, une dégradation par rapport à l'unité idéale. Alors, dans ces cas, quand on fait face à une altérité qui n'est pas réglée, qui est hors loi, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a une première réponse qui est la réponse de la fiction juridique. Alors, on respecte formellement les critères ordinateurs, mais il faut trouver des espaces de souplesse à l'intérieur de lesquels les altérités peuvent trouver quelques places. Un juriste français, Maurice Auriou, dans les années 20 du siècle passé, parlait de la fiction juridique d'ignorance légale. Il disait que derrière les frontières de la séparation formelle entre l'État et les Églises, l'État utilisait bien les valeurs religieuses pour ses principes constitutionnels. Et donc, on voyait bien sûr les citoyens émancipés, on ne voyait plus Dieu qui était caché, mais il était toujours là. Justement, ça, c'était possible dans une société qui, comme on notait en statistique à la fin du 19e siècle, il y avait bien sûr 2 millions et demi de juifs dans l'Europe occidentale, mais il disait zéro musulman. Donc, c'était quand même une fiction d'ignorance légale qui marchait dans une certaine situation et qui on n'a pas pu exporter, transplanter. Vous vous rappelez que Gambetta disait « l'anticléricalisme n'est pas un produit d'exportation ». Et si on passe à l'autre modèle de citoyenneté, entre guillemets, donc les modèles de la communauté musulmane, je pense qu'on voit en œuvre une autre fiction juridique qui n'est pas d'ignorance légale, mais plutôt des reconnaissances légales. Dans le sens que si dans les modèles européens, il faut cacher Dieu pour faire que son altérité puisse trouver un espace dans la cité. Et dans les modèles musulmans, on a plutôt toujours l'exigence de rassurer Dieu et ses fidèles que tout changement, quand même, respecte ces critères ordinateurs divins. Toutes les deux fictions juridiques face à ces altérités ingouvernables produisent une certaine schizophrénie. Et cette schizophrénie a été bien synthétisé par Yad Ben Ashour, qui dit « En Occident, nous sommes devant les paradoxes d'un État juridiquement absolu, mais grâce à la fiction d'ignorance politiquement tempérée. Tandis que dans l'Orient musulman, nous aurons les paradoxes inverses. Un pouvoir formellement condamné à l'inertie juridique,
cantonné dans une fonction d'ordre et de diplomatie, mais en réalité politiquement absolue. Fin de la citation. Ça, c'est une première réponse à l'altérité ingouvernable. Mais la contemporanéité nous pose une deuxième façon de répondre à l'altérité. Parce que après la Deuxième Guerre mondiale, après, je dirais, l'établissement de ce qu'on appelle les démocraties constitutionnelles fondées sur les droits universels, les droits fondamentaux, toute altérité devient un principe dans la loi, comme expression de la reconnaissance de la centralité de la dignité humaine et des droits de l'homme, et de la demande d'aller au-delà des fictions. L'aporie n'est plus quelque chose d'extérieur à cacher, mais devient partie d'un système qui aspire à l'universalité. Et cet âge contemporain, à la place de la séparation entre systèmes juridiques typiques du XIXe siècle, pousse vers une reconnaissance de la congruence entre systèmes juridiques, de l'osmose entre systèmes culturels et religieux différents. Et cette recherche de congruence à la place de la séparation, on la voit bien, par exemple, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque où la 4e République française, par exemple, constitutionnalise la laïcité. 1946, la laïcité est constitutionnalisée, mais l'année avant, 1945, une déclaration de l'épiscopat catholique ouvre les portes à cette reconnaissance. Donc, il y a une congruence qui facilite une constitutionnalisation et une osmose progressive. C'est peut-être ce qu'on voit aussi dans les nouvelles constitutions des pays sortis des, entre guillemets, les printemps arabes. Constitutionnalisation plus ouverte des droits de l'homme, nécessité de se confronter avec un paradigme international et au même temps des documents comme la déclaration de Marrakech ou la charte de l'Alliance des Vertus qui tentent de faire bouger les critères ordonnateurs vers des formes plus inclusives et moins rigides. D'où la référence, par exemple, dans la déclaration de Marrakech, à un document humain comme la charte de Médine, jusqu'à une sorte de droit divin naturel pré-prophétique, tel qu'elle c'est lui qui découle de la charte de la nouvelle alliance de la vertu. Et après, aussi des autres nouvelles congruences interreligieuses, avec des conséquences théo-géopolitiques importantes, comme les documents sur la fraternité humaine les témoignent. Donc, au-delà des instrumentalisations et d'ambiguïtés, je pense que la nouveauté de cette deuxième citoyenneté qui se base sur la congruence, c'est par exemple voir la fin des déclarations de l'homme distinctes et séparées pour les religions. Il n'y a plus un débat sur les droits d'une religion ou l'autre, mais tous sont obligés à se confronter sur les mêmes droits fondamentaux, ou considérés au moins comme moyens pour rejoindre cette cohésion partagée et inclusive. Il y a quand même un paradoxe, dans le sens que les rêves de l'unité ou de l'ouaoua décrit dans la version solipsiste qu'il y a dans les textes est toujours là. Dans le sens que la recherche par l'État, qui est celui qui a gagné dans la modernité et même bien qu'échangé dans la contemporanéité, de la religion congruente, de la religion la plus osmotique, donc la plus adapte à s'intercroiser avec ces mêmes principes, et peut avoir un risque, le risque de la fusion, de l'uniformité et donc de la recherche d'une religion qui ne présenterait plus aucune aspérité et altérité. Et donc une recherche en réalité d'une uniformité au nom de la protection de l'altérité elle-même. C'est là qu'il me semble une question pour la citoyenneté d'aujourd'hui dans tous les deux rives de la Méditerranée à se poser et à y réfléchir encore, et je vous remercie pour cela.